Donc, on est avec nos amis Marc et Vincent. Marc est hors caméra pour l'instant, parce que c'est toi qui dois vraiment faire un effort pour la lecture. Donc, ils ne sont pas du tout tous les deux à l'aise sur la lecture. Donc, en fait, on vient de tourner un peu sur le Neil Young Art of Gold. Et puis, je me rends compte, en fait, que Marc, il fait de la mémorisation. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. T'imagines, tu as 10 titres à avaler. Tu n'y arriveras pas, hein? Donc il faut lire. Et lire, il faut s'habituer à lire même des choses simples. Donc par exemple, là, je leur fais travailler l'intro de Heart of Gold, Mi mineur 7. Même si on lit I minor 7 en anglais, en français, chez nous, ça donne Mi mineur 7. Et ça s'écrit de cette façon-là. Quand vous jouez l'accord, vous devez avoir votre regard dessus. C'est comme ça que ça va s'imprégner, que ça va rentrer dans votre cerveau. Le D, c'est pareil, le Ré. Et on retourne sur le mi mineur. Donc là, je vais te faire travailler ça. Mais avant, il faut qu'il se détache. Il faut que ton regard se détache de ton accord. Donc, mets-toi bien face caméra parce que là, on ne voit pas bien tes doigts. OK? Donc, là, attends, forme bien. Mi mineur, on a bien le doigt 2 et 3 qui passent correctement les cordes. Va mettre ton petit doigt. Non, 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 Ah, reste, le reste. septième. Va mettre ton petit doigt pour le septième. Voilà. Donc, moi, ce que je lui ai demandé, c'est verrouiller son pouce, pas bouger le pouce. OK? Et maintenant, tu passes sur le Ré, sans bouger le pouce. OK. Donc, je montre très proche de la caméra. Je dois trouver une position de pouce commune aux deux accords, où mon pouce ne va pas bouger. Qu'est-ce que ça va te permettre de ne plus regarder ta main gauche. Passe d'un accord à l'autre. Bien. Bien. Très bien. Ok. Maintenant, sans regarder, joue le thème qu'on a appris. Tu vois, tu sais le faire, hein? Encore. Ok. Et maintenant, je vais l'obliger, pendant qu'il joue, à lire Mi mineur 7, Ré, ici. Donc évidemment, la caméra, on ne le voit pas, mais on devine, hein. Donc, vas-y. Et regarde ce que tu vas faire maintenant. Sans regarder ta main gauche. Doucement, 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 doucement. Mi mineur. Non, 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 pas regarder. Do. Ok, Ré. Sol. Ah, pas regarder. Et tu corriges sans regarder. Corrige sans regarder. Corrige sans regarder. Très bien. Fois 3. Donc on retourne ici. Mi mineur. Do, pas regarder. Ré. Sol. Tu vas t'entraîner chez toi à ne plus jamais, toi aussi, hein, regarder ta main gauche et vous forcer à lire ici les accords pendant que vous jouez. C'est comme ça que ça va rentrer, hein. Ok? Ça va? Donc voilà, on va expérimenter ça un peu plus en profondeur la fois prochaine.